Alors, avoir trop d'ego et de fierté peut-il être un frein dans la vie? Sème le superbe. Sène. Parle-lui. Oui. Fin de vidéo. On n'a aucune idée du prénom qui est écrit. Exact. Et c'est ce qui est écrit. Exact. Non, attends. Exocé. Non, c'est pas une congolaise. C'est pas possible. Exé. Waouh, Apolline, qu'est-ce que t'as écrit? Elle a craqué. Exato? Exarto? Ok. Bon. T'as archi pas écrit ça. Là, je vois exact ou excès. Bon. Ok. Maintenant, on sait que c'est exacto. On reprend. Ok. Alors, première question. Non, alors, non, on dit pas première question parce que. Parce que pour eux. Ah oui! Ça va aller. Ouais, je t'en. Tu Non mais, depuis tout à l'heure, on me fait ça. Ouais. Bah, je suis obligé de. Mais les cheveux marchands, ils s'assoient comme ça, gros, un peu de. Non. J'en ai marre, ok. En fait, là, en fait, on va pas passer à donner la coupe de nez à personne. Comment trouver sa passion, jeune demoiselle? Hein? Déjà, si tu aimes les fruits, c'est le fruit de la passion. Franchement, je m'attendais à ce que tu sortes un truc tellement intéressant. Non, j'ai non, pendu à non, tes lèvres. Non, je suis désolé. Eh, faut revoir ton humour, hein. Non, faut revoir. Mon humour, il est très bien. Très bien. Alors, dis la question. C'est quoi les préliminaires? Exacto. Bah. T'es autant qu'avec moi, je suis désolé, me regarde pas. Ouais, ok, c'est bon, ok, merci. je me lance. Allons-y. Faut savoir que c'est ça qui va te préparer à être bien, en fait. Qui va préparer ton corps à se préparer pour le. Tu vois. Genre moi, j'ai du mal à. Il a du mal avec ce genre de sujet, Sako. Je lis la question. On oublie le micro-pénis? C'est bon. J'ai oublié vite même. On peut pas se permettre de rire avant cette question. En tous les cas, c'est le personnage, c'est le personnage. C'est le personnage, c'est jamais vrai. C'est jamais vrai. Et s'il y en a qui sont vrais, bah ils sont dans le faux en fait. Voilà. Ils sont dans le faux c'est parce que. C'est tellement profond ce que t'as dit, Sako. Oh my god. Wow. Ah, tu me touches. Putain. God damn. Yo, éditation. Tu flexes sur Marion alors que c'est pas en fait de divorcer? Tu veux qu'elle se sente encore plus mal? Mais là, je me sens coupable. Bien fait pour toi. Est-ce qu'on a d'autres conseils pour elle? Espèce d'enfoiré. Ils vont biper ça au montage. Ouais, de ouf. Depuis quand en fait on a signé un contrat? Comme quoi tu devais m'insulter? À la télé en plus. Deux questions, t'as une autre. J'ai pas. Non mais elle est relou celle-là. Comment on rigole sur une question sur le divorce, wesh? C'est, bah, t'as commencé par être contente déjà, donc. Oui, non, mais c'est. Ça arrive. Oh. Elle est en train de me saouler. Tu vois, tu sais quoi? Parle. Moi, je vais réfléchir à ma vie. Et toi, parle, ils vont t'écouter. Écoutez-la, parce qu'apparemment, je raconte n'importe quoi. D'accord. Tu veux pas me comprendre? Non. Bon. Les préliminaires, on va dire, c'est ce qui se passe avant la conclusion, tu comprends? En plus, c'est sur les questions les plus sérieuses que tu pètes le plus les plombs. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires, on y répondra dans une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et dites dans les commentaires que j'ai plus aidé que Sako, s'il vous plaît. Et que je suis la même plus importante sur cette chaîne, même que Sako. Merci beaucoup. À la prochaine. Ne m'oubliez pas. T'es archi. T'es relou. Malade. Comment ça, je suis relou? Tu commences à faire des concours? Ouais, mais gros, t'as dit que j'étais une connasse là. Ils vont biper ça au. Ils vont pas biper. Ils vont biper. Ils vont biper. La fraise, c'est au printemps. Hein. La fraise, c'est pas au printemps. La fraise, c'est au printemps, non? Mais est-ce que. T'étais pas. On pouvait le laisser couler, hein? T'étais pas obligé de. Non, parce que t'as pas bien appris ce qu'on était censé dire. Mais y'avait pas de prise. Ils ont. Non, elle doit savoir. Mais Nafissa, elle doit savoir que t'as pas bien appris la réponse à sa question. Nafissa, elle sait pas. Nafissa, elle veut juste du boulot. Nafissa, elle veut juste un temps. Nafissa, moi, je vais te donner des bons conseils. Moi, je vais te donner des bons conseils.
T'es grave relou, wesh. C'est toi qui es chiant. Non, non, je savais de quoi je parlais. Non, je savais de quoi je parlais. Comment ça? Oui, non, tu veux amener à te marier et tout quitter. Gros, moi j'ai quitté la maison, ça fait combien d'années que je suis marié? C'est ta vie, je m'en fous. T'es trop méchant. T'es méchant. Laisse-moi dire ma partie pour qu'elle prenne son avenir en main, c'est bon ou pas? M'énerve. En tout cas, Marie-Jo, on espère avoir répondu à ta question. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. On répondra dans notre vidéo. Pourquoi tu parles plus? J'ai plus envie. Ya. Non mais tu m'énerves, la vie elle est incroyable. Elle est incroyable. Mais j'ai rien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien non, fait. Mais moi c'est ma question, les parents, ils ont pas leur mode. Laisse les parents tranquilles. Mais j'ai rien dit, j'ai rien. Est-ce j'ai que Marie-Jo elle t'a dit? Non mais Marie-Jo elle est pas engagée comme toi, hein.